Isaac, c'est moi. Bonjour. J'aurais aimé te parler, mais... Je suis désolée. Ok, ok, alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Mika, bienvenue dans cette vidéo sur Dead Space, vidéo découverte totale et complète. Enfin, j'ai dit complète, j'ai joué 20 minutes avant d'émerger cette vidéo, et j'ai bien fait parce qu'il y a quelque chose qui me pique les yeux, directement là, qui est visible maintenant. Alors, vous, je sais pas si ça se voit. Autant vous dire clairement, je mets les gens en poste comme ça. C'est dû au... Quoi qu'on a juste tourné. C'est dû à la qualité graphique. Vous voyez, regardez mon siège. Je me suis dit, merde, ça va être comme ça tout le long du jeu. C'est vraiment dégueulasse. Vous voyez, c'est de gros tas de pixels là. Alors, il faut absolument que je vous dise. Je joue sur un écran de 55 pouces qui fait 1,40 m de diagonale. Alors vous, sur la vidéo YouTube, peut-être que ça ne se verra pas. Peut-être que vous, sur un écran plus petit, si vous jouez sur une version PC ou quelque chose comme ça, ça ne vous choquera pas. Mais moi, ce que j'ai été obligé de faire, c'est d'aller dans Paramètres, Affichage des graphismes, et j'ai changé quelque chose, quelques petits trucs. Il y a d'office le grain qui est activé, et le mode performance. Le mode performance, ça diminue encore la qualité graphique. Vous voyez la barre qui descend là, en bas de l'écran. Elle est vachement pixelisée et hors mode performance, elle est un petit peu moins. Franchement, désactive le grain de film parce que là, vous voyez, je vais mettre comment ça marche. Je te blâme pas. Moi-même, j'écouterai ma... Ça fait sur mon grand écran le grain de cinéma qui bouge un petit peu comme le grain sur les photos pour ceux qui touchent un petit peu en photographie. Ça, je vous conseille de le supprimer parce que ça rend pas bien, je trouve, sur un jeu vidéo. Par contre, au niveau des graphismes, ces défauts-là, il s'estompe extrêmement rapidement parce qu'en fait le jeu n'est pas fait pour être beau avec la luminosité qu'il y a à ce moment là du jeu, mais il est fait pour être vraiment sublime dans les moments où l'on joue dans des endroits sombres, bref, dans le cœur du jeu. Donc dans ces deux premières minutes de gameplay que l'on va voir là, le rendu graphique est en deçà de ce que donnera le jeu dans son cœur, vraiment dans 99% de la situation. SJ7 est l'une des plus grandes découvertes de la CEC. L'équipe de prospection a touché le jackpot. Le voilà. Contact visuel avec l'USG Ishimura confirmé. Ishimura. Le plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Ah, de l'univers, carrément. On devrait pouvoir voir ces lumières. Ouais. Dans la galaxie, j'aurais bien voulu, mais là, l'univers. Mais soyez prudent à l'approche. Je veux pas qu'on prenne de risques avec la plus grande fierté de la CEC. Aucun risque, hein. C'est pour ça que vous fouillez dans mes dossiers perso avant de partir. Vous surveillez les accès à vos fichiers. Je suis analyste informatique, ça fait partie de mon travail. Rien d'autre que des contrôles de routine de la CEC, Daniels. Par contre, voyez, comme je vous disais, les effets de lumière sont vraiment très, très, très beaux. Par contre, voilà les textures en fond sur le grand écran, sur les Ishimura, la courroie qui approche, c'est pixelisé à mort, ça qui est dommage. Je pense que The Callisto Protocol, sur l'aspect purement graphique, était un poil au-dessus. Allez, que quelqu'un décroche, bordel. C'est quoi ça? Ah, ça pure. Leur antenne de communication à l'RHS. Peut-être un problème d'encodeur. Daniel et moi pouvons nous en occuper en 48 heures max. Eh, hey, comme ça tu pourras rattraper le temps perdu avec Nicole. Ouais, j'espère. Bah ouais, tiens, tant mieux. Approchez-nous. Par contre, je préviens, on n'est pas en mode performance, on joue avec le ray tracing et en 4K. Je perds le contrôle. Aïe 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 aïe. Il est en trajectoire. Daniel. Le forçage du système de pilotage ne répond pas. Merde, on arrive trop vite. On va s'écraser sur la coque. Chase, sur stabilisateur d'urgence. La lumière bleue, là. Ça nous ralentira peut-être. Compris. Tombez les boucliers. On s'accroche. Manger, 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 manger. Ouais, ouais, ouais. Bon, sont efficaces ces boucliers, visiblement. Oui. Je vais survivre. Pas de vieilles textures, mais après ça.
c'est ma cheville. Je crois qu'elle est cassée. Merde. Oh merde. Mieux vaut ça qu'une nuque brisée, ou pire. Bonne idée le stabilisateur. C'est sûr. Heureusement que je lis toujours le manuel. Bordel, il se passe quoi avec la salle de contrôle? Ce système de pilotage va nous tuer. Un truc à ajouter à ta liste de réparation. Jen, quels sont les dégâts? Les communications sont mortes, on a perdu le propulseur. On a un stabilisateur en feu. Le réacteur est foutu. Ça pourrait être pire, mais pas de beaucoup. Allons chercher de l'aide. Johnston, restez sur le Kalyan. On va envoyer un médecin. Les autres, avec moi. Bon, bah, c'est pété la cheville. Ça aurait pu être totalement pire, c'est clair. Allez. Monsieur Isaac. C'est parti. Ça va, t'es sûr? Bon, t'inquiète, de toute façon, on va revenir avec de l'aide. À n'en pas douter. D'ailleurs, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à commenter, liker, partager, cliquer sur la cloche et surtout t'abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir ma chaîne. Et en plus, ça me fait super plaisir. Merci. Procédure standard, Daniels. Nous les enregistrerons à la salle d'embarquement. Ouais. Capitaine abandonné. Bravo, Chen. USG et Shimoda. C'est pas ce que doit penser Johnston. Ben, si tu proposes de payer la première tournée... Je serais pas contre un petit remontant. Surtout si c'est la CEC qui paye. Oui. Vous avez vu quelqu'un à la salle de contrôle? Non, personne. Au moins, on n'a pas arraché le panneau. Et sympa le design et tout. Autant se connecter. Allez. Connectons-nous, je vous en prie. Cher ami. Merci. Rig synchronisé. Récupérez les modules de télékinésie et de stase auprès de l'ingénieur en chef Jacob Temple. Localisation. Ok. Erreur. Isaac, Jacob, il manque Abraham. J'arrive pas à joindre la sécurité. Pareil pour l'ingénieur en chef. Qu'est-ce qui cloche avec leur communication? On va voir ça, t'inquiète. Ike pas ça. Celui-là était pressé de partir. Ah. L'équipe de sécurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'en sais rien. Avertissement. L'article est sponsorisé, d'accord. Alors désolé, je regarde même pas ça. Oui, je t'écoute. Cette console fonctionne toujours. Isaac, évaluez les dégâts. J'ai pas envie de jouer. Bien reçu, les drains. Vous sentez ça, vous aussi? Sentir quoi? Comme si un truc était mort dans les conduits. Ah, ah ça doit puer, ouais. Il y a quelque chose par terre. Qu'est-ce que c'est? Allez. Oh bordel, cette odeur. Qu'est-ce que vous... Ah, c'est l'odeur qui pue, hein. Merde. Il n'y a pas que les communications et le système de pilotage. La moitié des Ishimura est HS. Les moteurs, la coque, les trames. Qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts à un brise-surface? Ok, j'ai trouvé du courant. Ah. La ventilation fonctionne. L'ascenseur... Ouais, ben, je sais pas aussi, les gars. Oh. Quarantaine activée. Encore un problème? Non, les systèmes de quarantaine sont tous en état. Attendez, vous avez entendu? Ouais. Les échos? Ouais, je l'entends. Amand. Que tout le monde se calme. Daniel s'est réactivé ses ascenseurs. Il n'y a pas que nous ici. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Oh là 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 là. Oui. Je suis déstabilisé. Tirez-vous d'ici! C'est bon, allez, allez!
Section 2 en plus. Je suis très mal barré. Ah, il faut que je sois par là. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Je m'enfuis, je cherche pas à comprendre. Ici, mon cercle et tout, je crois. Oui, j'appuie sur le bouton tout rond. Non, 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 viens pas me. Ok, ça va, il s'est fait couper en deux. C'est dégueulasse. Ah, quelle magnifique horreur. Ah oui, il faut que je prenne mon arme qui est ici. On rassemble les armes. Oh, joli. Get are their limbs. Alors j'imagine que limbs, ça veut dire membre. Alors, viser avec L2, maintenir pour partir principal, R1, rotation d'objectif, de cible, donc ok, on peut faire haut et bas, et après, il y a un bouton pour écraser le truc au sol, et c'est quoi c'est R2? C'est R2, et je ramasse un chargeur. Donc voilà, je vous le dis, j'ai joué jusqu'à ici, j'ai fait quoi, une minute après? Donc dans très peu de temps, c'est vraiment la découverte totale, et là, comme je vous disais, maintenant que le jeu prend son ton normal, là, il prend vraiment toute son ampleur et devient vraiment très beau. Et ce défaut de pixelisation que je vous montrais avant disparaît quasi totalement parce qu'en fait, le gros effort, la grosse force du moteur graphique du jeu, c'est pas les textures, c'est pas le lissage des textures, mais c'est en fait la gestion de la lumière qui fait vraiment toute la différence dans ce Dead Space. Allez, maintenant je peux sortir, ouvrir. Ah, je peux pas tirer, je peux plus le sauver. Un tir horizontaux, à mon avis, pour couper les jambes, ça sera mieux. Voilà, il est mouru. Carré pour charger. Ok, c'est comme Call of. Très très bien. Les corps ont une physique une fois mort. D'accord, très bien, très bien. Même ceux qui sont morts dans les cutscenes. Donc, ce qui fait que toi, tu. T'es mort en dansant un lambada, on est un petit peu désarticulé. Ok, c'est très tectonique comme position. Bon, tectonique un peu sanglante, certes, mais la tectonique quand même. Bon, le mec il flippe pas du tout, hein. Ça passe toujours comme ça. Ah, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas au fond. Ah, bah, t'es. Petit. Oh, petit jumpscare, tiens. Bien sûr que j'ouvre, bien sûr, bien sûr. Oui, kit de soins. Je sais pas encore comment m'en servir. Rond, utiliser le kit de soins, d'accord. Donc là, t'as l'inventaire qui est en grand en temps réel. Ok, effectivement, dans The Callisto Protocol, ils ont repris exactement les mêmes codes du jeu que ce petit Dead Space. Donc effectivement, on n'est pas trop déstabilisé. Rixi, se mettre à l'abri. Wouhou! Objectif accompli, parfait. Oui, je t'écoute. Bordel. Oui, c'est ton dieu, je sais. Ils sont partout. Jen, il est mort. J'ai rien pu faire. Mais bordel, c'est quoi ces trucs? Parmi ceux que j'ai vus, certains portaient des uniformes de l'Ishimura. C'est l'équipage, ça? Franchement, comment ça peut être l'équipage? Tu les as regardés? Il faut qu'on aille sur le. Ah ouais, ça problème. Il y a plus de 1000 personnes à bord, il y aura forcément quelqu'un. C'est pas possible, le système de tram est en miettes. Et tout est verrouillé à cause de la quarantaine. Vous êtes tous les deux des techniciens, alors comment on fait? Il y a un wagon de tram en panne qui bouche le tunnel. Ça a bloqué le système. Et un des disques durs a cramé. Je ne peux ni désactiver le verrouillage ni appeler le tram tant que j'en ai pas un autre de la maintenance. Le problème, c'est que tout est du côté d'Isaac. Je m'en occupe. Assure-toi que les systèmes de réparation sont alimentés. Et Isaac? Oui. Je suis sûr que Nicole va bien. Elle est médecin, c'est ça? Elle fera ce qu'il faut. Ouais. Ouais, comme d'habitude. Et parce qu'elle est médecin, elle peut survivre à ces monstres-là? Je reviens bientôt.
Je ne suis pas tout à fait sûr. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut se déplacer pendant les cinématiques et continuer à faire notre petite popote, ramasser les objets, looter un petit peu la zone. En fait, il n'y a pas trop de temps mort, j'ai l'impression. Ils sont partis où? Ah, je ne les ai pas vu partir, dommage. Et là, j'ai le choix entre deux destinations. Mais allez, je vais commencer par le tunnel du tram. Ah, mais c'est écrit en français, hein, ça, franchement, c'est appréciable. Acoustique. Ah, c'est la porte. Encore une fois, là, franchement, je vous dis, c'est le moment où je découvre le jeu. Là, à partir d'ici, je ne sais absolument pas ce qui nous attend. Je n'ai pas fait le premier Dead Space non plus. Donc là, on entre. C'est quoi ce motif de stade? Ah, le fameux bras. L2 pour viser et triangle pour tirer, utiliser la stase, d'accord. Donc ça doit être un truc pour ralentir le temps ou quelque chose dans le genre. Et là j'ai des recharges de stase, d'accord. Effectivement, ça fait ralentir les mouvements. Ça dure longtemps ou pas? J'ai trouvé un module de stase. Si je suis plus rapide que... J'ai compris. Ok, c'est parfait. Recharge de stase, d'accord, il y a les modules sur les côtés et on peut ramasser par terre. Bon, ça va, la chose est bien faite. Ah, poste de sauvegarde, la sauvegarde n'est pas automatique et pas... Oh, ça change ça. Ça change des jeux auxquels je suis habitué. Pourquoi ma vie se trouve-t-elle? D'accord. Pourquoi pas, mais ça servait à quoi ce jumpscare, ce truc? Il n'y a pas d'ennemi qui a débarqué, c'est rien passé. Bah, disons que si ça empêche de bouger, c'est déjà ça de gagner. Après, tu fais pareil avec la tête. Même si la tête reste vivante, après le corps est inoffensif, donc bon. Benson à l'ingénierie, vous auriez un module de stase? Il nous en faut un à la maintenance du tram, rapidement. Le chargeur automatique a cramé. Un tram endommagé est coincé sur la voie. Et si tout le système est bloqué, devinez qui doit s'en charger. Ici Temple, j'envoie un module de stase. Il s'est passé quoi avec le chargeur automatique? Aucune idée. Il y a plein de trucs qui se détraquent et... J'arrête pas d'entendre du bruit. Dans la machinerie, là où il devrait y avoir personne. Tu vois le genre? Je vois. T'as fait flipper? Ok, là c'est verrouillé. Je prends les crédits. Donc, visiblement, il va y avoir aussi un système de monnaie. En tout cas, de monnaie locale, un peu comme dans The Callisto Protocol. On va ouvrir. Système de chargement réinitialisé.
chargeur automatique. Veuillez contacter un technicien. Technicien. Reconnecter manuellement les pinces pour commencer la réparation. D'accord, mais j'ai quoi pour... Peut-être ce panneau-là maintenant ? Aïe aïe aïe, je suis attaqué. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. T'as réussi à déplacer le train ? Le chargeur automatique est grillé. Mais la stase devrait faire l'affaire. Il suffit de la synchroniser. Super. C'est bon, il a mouru. Mais fais vite, ok ? Ah oui, il a dû écraser. Et où je ramasse ? Ah, ma vie est à moitié. D'accord, il n'y a pas d'animation particulière, c'est juste pof, se remonte mes deux carrés directement. Ok. Ah, maintenant, est-ce que ça va remarcher ? Peut-être faut-il faire la pince gauche d'abord ? Ah ! J'attendais pas du tout à celle-là, tiens. Ça y est, fini ? Ah, mais t'es pas seul. Fais mal. Je vais t'écraser. Voilà. Ok, je reprends l'énergie. Ok, j'ai utilisé mes deux petits modules de soins. Ah, par contre, elle a marché. Ah, j'aurais pu peut-être utiliser la stase aussi contre eux. D'accord, il tient jamais en fait. Pourquoi est-ce qu'il reste déconnecté à droite ? Ah, peut-être qu'en utilisant la stase, une fois qu'elle est accrochée, peut-être ça pourra faire quelque chose. Ah, c'est triangle pour ça, je suis bête. Ah là, c'est ouverte. Ok, donc en fait, mon indicateur de ça, c'est ce qu'il y a sur mon épaule droite. Et ma colonne vertébrale, c'est ma vie. D'accord. Et ça a marché du coup ? Ah oui, il faut que je vienne là maintenant. Ah, un méchant. Voilà, j'ai bien démembré la bonne et due forme. Un autre. Remplacement du tram effectué. Parfait. C'est bon. Ce tram bloquait tout le système. C'est foutu. Nickel. T'as dit qu'un disque dur était grillé aussi ? D'après l'inventaire, il y en aurait un de rechange à la maintenance. Les trams peuvent pas fonctionner sans.
Ok, ben écoute, on va aller voir ça. Ici, je peux toujours pas y aller. Donc, visiblement, faut retourner en arrière. La recharge, ok, j'en ai pas besoin. Ici, y a rien. Ici, y a rien. Il est en haut. Allez, deuxième enregistrement. Les toilettes. Ah, les mecs, ils ont écrit des trucs avec leur propre sang dans les chiottes. Ah non, c'est toilette, c'est douche, c'est à la totale. Bon, toi t'es mort dans la douche. Elle aussi. Toi t'es mort en position paisible. Même si ça devait pas trop être le cas à l'instant T, on va dire. Bon, il n'y a pas trop de reflets dans les miroirs. Bon, en même temps, vu comme ils sont bien pourris. Mais qu'est-ce qui peut pourrir des miroirs comme ça si vite? Don't piss all over. Ok, en gros, ne pissez pas n'importe où. Ok. Là, y a rien, y a rien, y a rien, y a rien. Allez, on va suivre les sorties. Et voilà. Ouh, mais c'est dans un site ce con. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est vite se rincer sous la douche pour enlever l'acide. Ou carrément mieux balancer de la diphotérine. Mais je crois pas qu'il y en ait là ici. Habitat sécurité, niveau nécessaire. Bon, ok. Utiliser l'écran 4 pour constater les objectifs et repérer les lieux importants. C'est où la map? C'est pas là. Ah, mais c'est là la map. Ah, mais l'objectif est derrière moi. Pour ça. Il me dit d'aller jeter un oeil. Par contre, ici j'ai. Ah, j'ai un poste de sauvegarde. Écoute, on va s'en servir. Ah, ça me dit qu'il faut que j'aille au deuxième. Ah oui, quand je n'appuie sur R3, donc le joystick de droite, ça me dit que le principe pour aller trouver le disque dur en l'occurrence, donc pour aller vers mon objectif. Est-ce que je peux me baisser? A priori non, puisque toutes les touches sont attribuées. Bon, ok. Ils se baissent pas, ils ont gardé une mécanique un peu vieillotte. Ou plutôt une absence de mécanique un peu vieillotte.
oui, mais c'est là que j'avais vu le gars passer, d'accord. Quand ça avait vos munitions, il avait écrit, j'ai même pas regardé ce qu'il avait écrit. Ok, on explique que les cadavres peuvent être lootés. Il me manque deux disjoncteurs. D'accord, sur ce mur la porte de la maintenance, sur ce mur la porte qui est située, je pense, à l'opposé. Bon, d'abord, on va aller voir là-bas. Ça va. Il y a beaucoup de postes de sauvegarde. J'avais peur que ce soit pas le cas, mais bon, finalement. À mon avis, dès qu'on arrive dans une zone un peu dangereuse ou avec des ennemis, il y aura de quoi sauvegarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, ça pète. Quoi, je prends ça évidemment. Ça me lâche le loot automatiquement en plus. C'est bon ça. Du coup, ça, s'il y en a beaucoup, je vais avoir beaucoup d'ennemis qui vont m'attaquer. Il est en face. Coucou. Ah, un trophée, membre d'honneur. Il est où? Ah, apparemment c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Ah, il m'arrive dessus, je pense. Parfait. Allez, j'appelle l'ascenseur. Sur full vie, c'est parfait. C'est vraiment très pratique. Et franchement, j'adore l'animation. Ah, je me disais aussi. Allez! Hop, 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 hop! J'ai cru que j'avais fait péter trop tard. T'as voulu me caresser le dos, toi? Non mais yo. Allez, je vais te pousser là-bas en bas, c'est possible. Ah, c'est possible, c'est bien ça. Allez, donne-moi tout, parfait. Hop, hop, je prends. Je regarde pas, ça m'intéresse pas. Ok, donc il y en a un pour la lumière, il y en a un pour la porte ou je sais pas quoi.
Et à mon avis, il va y avoir un moment donné, il va falloir que je sois complètement dans le noir. Je me dirige qu'à ma torche. Et ils sont deux en plus. Et voilà. Donc maintenant il faut que je descende en fait. Ah bah oui mais je suis bête, je reprends l'ascenseur. Ouais mais du coup j'étais peut-être même pas obligé de le tuer. Oh il marche plus. Du coup il va falloir que je réutilise le comment ça s'appelle, le fusible là-bas. Et que j'y aille, comme j'avais dit, dans le noir. Alors. Et oui, et carrément, il y a le symbole de la lumière. De la porte et de l'élévateur, donc l'ascenseur. Et effectivement, là, l'ambiance est liée. Hein. Je peux courir comme ça? Non. C'est là qu'on voit quand même ce qu'ils ont gardé comme idée dans The Callisto Protocol. Le coup des fusibles qui était quand même très très important dans le game design. Il est vraiment très 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 inspiré de celui-ci. Faut que j'aille en face. Trouver le disque du roi. Ah là là là. Tire un peu trop peut-être. Un peu trop pressionné dans les tirs. Je vais essayer d'esquiver les gens. Vous en voulez pas, je prends la vie, j'en ai plus. Bon, tant pis. Est-ce que ce sera ma première mort? C'est ma première mort. Je me suis fait encercler comme un idiot. Bon, c'est normal. Bon, on va peut-être pas dire que j'ai ce que je mérite. Hein. Bon, après 40 minutes de jeu, première mort. Ishimura Planet Side Team. Timo, pardon. Oh, faut que je refasse toute la séquence. Oh, c'est chiant. Hop, 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 j'ai pas vu. Ah, j'ai plus du tout de vie.
Ok, là, c'est le premier chemin par lequel je suis passé. Voilà, comme ça, moi j'aurai tout loot ici. Il se relève pas. Ben voilà. On prend les crédits. Donc là, je suis à peu près full. Et je me cassos. Alors, est-ce que j'ai besoin ou pas de les combattre? Ça va être la grande question. M'en toucher quand même. Hein. Du coup, je descends ou je descends pas là? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai appuyé une fois, ça a fermé la porte. La deuxième fois, c'était pour me faire descendre. Ah mais c'est ce d'en haut que j'entends. A péter. A mouru. Allez, allez, déverrouille, passe, passe la porte, passe la porte. Est-ce que c'est prévu qu'il vienne ou pas? Ok, il peut passer. Ah mais ils sont trois. Ouais, j'ai peut-être abusé là. Oui, 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 je me casse, justement, je me casse. Je retourne dans la salle des commandes. Daniel, préparez-vous à y aller. Allez, trois autres. C'est bon, j'ai réussi? On dirait bien. Par contre, j'ai pas pu looter la zone. Hein. Je l'avais oublié là. Il y a bien un autre, oui. Quasi tout. Tout ça, j'ai un peu le temps de looter. M'en fous. Établi, activé, tiens bon.
Alors, améliorer vos armes avec votre rig en utilisant un établi. Rond pour améliorer les armes. Débloquer les armes en les améliorant. D'accord. Réinitialiser les améliorations. Donc, en fait, on peut revenir sur nos décisions. Ça, c'est pas mal, ça. Les points de force, d'accord. Accéder. Ok. Donc, il y a maintenu, mais il y a aussi mes armes. Elle va augmenter la tenue parce que c'est ce que parce que mes armes ont l'air encore assez efficaces. D'accord, ça fait un peu penser au système du sphérier de FF10. En fait, tu remplis la zone par rapport au casque que tu peux prendre et aux différents chemins qui sont tracés. D'accord. L'oxygène, bon, la mécanique n'est pas encore entrée dans le jeu et de toute façon, j'ai pas de points. Le cutter plasma, c'est exactement les mêmes points. Donc voilà, là je peux rien faire. Et il me semble avoir trouvé des objets en forme de palais de hockey comme ça là. Donc les points de compétence sont à trouver sur le jeu, j'ai bien l'impression. Après, c'est la première fois que j'y joue, autant j'ai mal vu un truc. Autant ça marche pas exactement comme ça. On va attendre pour confirmer la chose. Allez, gigot d'agneau jusque là. Oh là. Oh, oui, ça je prends. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais je prends. Toi, par contre, tu vas prendre ça dans les dents. Ça me fait plaisir. C'est bon, tout est fermé. Parfait. Pose de sauvegarde. Je prends. Plutôt deux fois qu'une d'ailleurs. Faudrait que j'aille là-bas. Mais là-bas où exactement? Oh, là-bas où exactement? Alors, si tu veux mon avis. Voilà. Vas-y, sois sérieux là. Je t'ai coupé qu'un bout de jambe. Faut que j'aille plus loin. Je vais sauvegarder ici. D'ailleurs, je crois que si je peux placer le. Comment ça s'appelle? Le disque dur. Enfin, le SSD, du coup. À mon avis, on va arrêter là la vidéo de cette présentation de Dead Space. C'est au fond, ok. Et donc? Ah, maintenant j'ai des interactions de possible. Maintenance effectuée. Appel du tram en cours. C'est bon! Arrêt imminent, pont de lancement, salle des commandes. Ah mais allez-y, barrez-vous sans moi aussi, je vous dirai rien, moi. On y est. Quelque chose a touché le toit, mais tout semble opérationnel. Le système de confinement est désactivé, tu peux aller au hangar. Les communications bon. Sont toujours pas rétablies, tiens-toi prêt à tout. Quel est le plan? Vous et Johnston, vous réparez le Kellion. Nous, on se rend sur le pont. Protocole d'urgence standard. Quoi? Quel protocole? Amont, des gens sont en train de mourir. C'est quoi ça, l'urgence standard? C'est quoi ce concept? On y arrivera. On verra.
Bah écoute, on verra. Hein. En tout cas, on verra ça dans la prochaine vidéo. On va retourner au Calion. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, vous la commentez, vous la likez, vous la partagez. Moi, ça fait extrêmement plaisir de vous montrer un petit peu tous mes gameplays et toutes les parties que je fais comme ça. En tout cas, ce Dead Space là, je le sens vraiment bien. Franchement, à mon avis, ça va être un bon jeu. Bon, mis à part, voilà, c'est ce petit aspect graphique qui franchement saute aux yeux, mais vraiment quand on s'arrête, comme là, c'est le cas pour moi. Mais comme je vous l'ai dit, ça vient certainement du fait que j'ai un grand écran face à moi, que je joue relativement près en plus. Mais si ça se trouve, vous, que ce soit sur les vidéos YouTube ou dans votre condition réelle de jeu, ça ne fera absolument pas tâche du tout. Vous ne vous rendrez même, peut-être même pas compte. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mika. Ciao.